petits bruants sont arrivés. C'est lui que j'entendais chanter tout à l'heure. Ah! Lui ou lui, là? Oh! Mais voyons donc. Ils sont adorables. Oh. Oh. Wow. Un rose lymphe en brille. Oh! Oh! Voilà, d'accord. Voilà les variétés d'oiseaux du printemps arrivent. Regardez-moi ces coloris. Oh! C'est comme si j'en voyais un pour la première fois encore. Mon Dieu, garde-moi toujours cet émerveillement. Oh! Qu'ils sont beaux. Emma aussi les voit être impressionnée. Mais j'aurais pas pensé que mon branchage allait donner ce résultat-là. Mais je suis tellement contente de l'avoir essayé au moins. Oh, magnifique. Merci, mon Dieu. Merci, la vie. Bon, un autre. Oh, ça va avoir des couleurs comme... un plumage différent, celui-là. Ah non. Il est presque dans la maison. Il y a des années que j'ai pu les faire entrer dans la maison. Dans la maison, parce que... Ah, c'est lui que je trouvais qu'il y avait un plumage. Ah, c'est un bruant, mais une autre... Oh... Regardez-moi ça. Oups, une corneille. Qu'est-ce que t'as entendu? Oh, j'adore ça. Ils ont entendu quelque chose, hein? Ils sont fixes. C'est fort, hein, l'instinct. Hein? Le danger. Ils restent immobiles quand ils sentent que le danger est passé. Ils se remettent à bouger. C'est fantastique. Il parle, lui. Oh, mon doux!
Une graine sur le bord là, du bec. Regardez les couleurs. Les bruants au printemps ont un chant assez exceptionnel. J'étais allongée et j'ai entendu un chant que... nouveau. Et voilà. J'essaie de me trouver des trucs pour que les pigeons puissent venir manger les graines. Puis, ce truc semble marcher. Les pigeons n'ont pas vu encore les graines à travers les branches. Et je vais mettre une petite mangeoire, un petit abreuvoir pour les colibris. Je vais mettre des fleurs rouges qui attirent les colibris. Des bruants, on voit son cercle là. Des lignes blanches entre son œil. Voilà. Oh, je me suis levée sans partie. Et oui, voilà mon grand bonheur, les oiseaux. Bye bye!